On est de retour sur Rim et on a Renard qui est relativement impatient, puisque là on est face à... Oui, on y va, on y va. On est face à une nouvelle salle avec une boule que je vais devoir gérer encore comme la dernière fois. On y va. Alors, on va falloir la mettre quelque part, cette boule. Alors, logiquement, je vais la mettre en plein milieu, hein, ça me paraîtrait un peu logique. Et qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, juste la suite de l'aventure de Rim. Eh ben ouais, super. Ce n'est pas vraiment compliqué. Allez, on y va. Je te suis, mon grand renard. Oh, t'as pas l'air en forme, là. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux dormir? Je te chante une berceuse. Oh, tu veux pas t'avancer avec moi? Ça pue. Le renard, il veut pas venir avec moi. C'est pas bon signe. Ça sent les embrouilles. Ok. Voilà des choses de plus en plus bizarres ici. Bon, moi je prends les boules, hein. Je l'avais déjà utilisé sur, mettons, sur une espèce de robot, ça. Ouais, il me semble, c'est ce que j'avais fait. Ça avait déjà fait ça. Espèce de truc de droïde là. Ça libère le passage, c'est cool. C'est ça, à mon avis, il faut que je libère le passage grâce à ces boules. Alors, on va passer par là, hein. Oula. Comment te dire? Salut? Chouette, j'avoue que c'est chouette. Tiens, je ferais bien un truc. Avant d'aller le voir. Voir ce qui se cache derrière, j'emmène la boule, je sais pas pourquoi, ça peut toujours servir. Non, il fera pas plus de trucs. Bon, il suffit juste de sauter. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a derrière? Non, on peut pas voir ce qu'il y a derrière, forcément. Bon, eh ben, je vais aller te rejoindre. C'est parti. Tout c'est de savoir si t'es sympa ou pas, mais moi j'ai pas très confiance en toi. Sachant que le renard a pas voulu venir. Est-ce que je peux passer entre tes jambes? Eh ben non, je peux pas.
What the fuck? C'était quoi ça? C'était le passé? Des souvenirs du passé ou des images du futur? Ok. Donc on est revenu à l'endroit où j'étais tout à l'heure, mais il m'a ouvert la voie. C'est cool. Vous avez remarqué, je cours de mieux en mieux. Côté manette, ça va beaucoup mieux. C'est un peu la one again hein, sur certains épisodes. Qu'est-ce que tu fais? J'ai peur, lui. Ah, il aspire mon âme. Eh putain, ils sont de moins en moins sympas, eux. Hein. Rendez-moi mes couleurs! Ah! Rends-moi mes couleurs! Oh, c'est chouette par contre, hein, au niveau de l'animation, c'est super. Avec la sauce. C'est une question de rapidité ici. Hein. Faire gaffe, je crois que j'ai repéré un espèce de robot. Ah, ah yes, ça les tue. Yes, ça les tue. Je vais me débarrasser de toi. Ah, tu fais le malin, ouais. J'ai compris ce que j'allais faire de cette boule. Je vais la balancer sur tous là. Faire un strike. Salut les filles. Ça leur a rien fait. Ah yes, ça y est. Voilà, j'ai enfin compris comment faire bien exploser l'orbe. Et je vais les péter la gueule. Voilà, cassez-vous. Et là, je passe. Voilà, c'est parti. J'ai enfin compris comment faire bien péter l'orbe. Voilà. Il y a une touche pour faire péter l'orbe. Tout à l'heure, c'était juste un gros coup de chatte en fait. Allez, allez, avance, allez. Ah putain, mais est-ce que t'es casse-couille? Allez, c'est par là. Ils vont casser les couilles là, les deux là. Ah, ils sont bien casse-couilles. Oh, ils sont même trois. Je vais jamais tenir, forcément, je vais jamais tenir. Avec ces trois fils de leur mère là. Allez,
Mais tu me laisses même pas le temps de prendre l'ordre. Laisse-moi le temps de prendre l'ordre, putain. Faut que je l'attire d'abord par là. Voilà. Pour pouvoir prendre l'orbe et lui péter à la gueule. Bah allez, chante pas, prends l'orbe. Putain de touche à la con. Allez, viens par là. Il va pas prendre cette orbe. C'est quelle touche pour prendre l'orbe déjà? Je me trompe pas de touche. Voilà, c'est bien triangle là. Pourquoi tu la prends pas? Je me trompe pas de touche en plus. Il y a une demi-heure à la prendre. Allez. Voilà. Ça commence à être chaud hein, niveau timing. Où je passe par là, j'ai vu les marques blanches. Ouh. Ah, ils veulent pas me lâcher, eux, sérieux. C'est quoi votre problème, les gars? Ok. Yes. Yes. Il est chaud, hein, il est chaud de cette partie quand même. Bon. On va repartir par là. J'avoue que c'est la partie peut-être le plus. Le timing est le plus à gérer. C'est intéressant aussi. Hein. Voilà. Allez, Stéphane. Je vais peut-être descendre par là. J'espère que j'irai pas revenir dans un endroit où je suis déjà allé. C'est joli. Ouais, bah je vais pas aller par là. Je vais continuer par ici. Une jolie fresque.
Avec les robots. Ah, le renard! J'ai entendu le renard et la bête, j'ai entendu le renard chanter. Vous doutez bien que j'ai regardé ce qu'il y avait dans le fond. La curiosité, mais il n'y a rien du tout. Ça va, j'arrive. Ouais, c'est cool, hein. C'est bien que faut que je me demande qu'il fallait que je passe par là, mais... Comment on fait? Ok, je dois passer par là, logique. Quoi ce bruit? Le tout c'est de comprendre comment on passe cette porte. Enfin, je passe à la large. Ah bah oui c'était ça en fait. Purée. Le mec il cherche la complication depuis ça et depuis tout à l'heure, il n'y a que des mécanismes depuis que je joue au jeu, et là en fait bah non, il faut juste que tu passes entre les deux parce que t'es petit et que t'es maigre. Pourquoi faire simple? Yes, allez, on continue. Donc là, je vais pouvoir poser une orbe. Encore faut-il que j'en trouve une. Oh là là, super. Oh bah, il ne manquait plus que. Il me faut une clé. Ouais, j'ai pas de clé. Pas monter par là. Ah bien un truc là. Si je fouille mal aussi, mince.
Yes. Voilà tout là-haut. Mais bien sûr. J'ai bougé quelque chose. Mais ça m'ouvre des portes. Ça m'ouvre de nouvelles perspectives. Ah! Elle prend toute la lumière. Chouette, une cinématique. C'est pas la plus grande cinématique qu'on ait eue dans le jeu. Mais c'en est une. En tout cas, eh bien, c'est une cinématique, ça veut dire que c'est la fin de l'épisode numéro 16 de Rime. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Rime avec les aventures d'Esteban. Allez, à plus tard. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao!